Plusieurs habitations sont sous la menace des flammes. Un incendie fait rage depuis mercredi après-midi sur l'île de La Palma aux Canaries. Plus de 2000 hectares sont déjà partis en fumée et le sinistre reste hors de contrôle. La chaleur et des vents forts compliquent la tâche des pompiers. On déplore un mort. Le corps d'un garde forestier qui tentait de lutter contre les flammes a été retrouvé jeudi matin. Des centaines de personnes ont été forcées de fuir leur logement. La chaleur, les fumées, les cendres, on ne peut pas rester ici, dit cet homme. Il faut partir et attendre que ça passe et espérer que la maison ne brûle pas. Des habitants qui ont trouvé refuge dans des hébergements d'urgence. L'origine du feu, elle est connue. Un Allemand de 27 ans a été arrêté mercredi. Il a reconnu avoir provoqué accidentellement l'incendie après avoir brûlé du papier toilette usagé. De nombreux moyens aériens sont mobilisés pour tenter de ralentir la progression des flammes sur cette île montagneuse.